personnage s'appelle Arlette. Elle a l'âge que j'ai, ou j'ai l'âge qu'elle a, comme on voudra. Elle a, je pense, travaillé dans l'agence toute sa vie, je crois. Le personnage dont Arlette est inspirée, c'était Josette Arrigoni. Bon, moi, je ne lui ressemble pas beaucoup parce que je suis un petit peu plus atypique qu'elle. J'ai mis beaucoup de moi dedans parce que c'était judicieux, parce qu'il y a des personnages pour lesquels il faut sortir de soi et aller chercher. Il y en a d'autres qu'il faut tirer à soi parce que c'est le plus intéressant ou le plus judicieux. C'est ce qui s'est produit ici. Donc elle a beaucoup de moi. De moi, elle aime le jazz, elle aime le cinéma. Mon évolution d'actrice, c'est que je suis un petit peu plus familière encore avec elle qu'avant, si vous voulez. Elle est de plus en plus proche. Mais dans son caractère, dans sa personne, je crois qu'elle est assez stabilisée à l'âge qu'elle a. ASK, Star Media, c'est la guerre. Mais la guerre chacun de son côté. Personne ne rachète personne. Et les vaches seront bien gardées. Sinon, je ressors les vieux dossiers. Elle a, dans le cinquième épisode de la saison 2, une aventure importante avec un guest. Il ne faut pas trop dévoiler les choses. Il y a une histoire de compétition et de jalousie entre Guy Marchand et Thierry Becker. Il y a une anecdote personnelle dans cette saison. En particulier dans l'épisode 5, mais il n'a pas nourri mon personnage, il a nourri le scénario. J'ai été la femme de quelqu'un qui est devenu une icône. Il s'agit de Chet Baker. Et cette fois-ci, on m'a demandé si je voulais bien qu'on parle de Chet dans l'épisode et de ma relation avec lui. Et cette fois-ci, j'ai dit oui. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que c'est de la fiction. Cette photo, elle a été prise à Hollywood. Prise par un très grand photographe. On a peut-être perdu Sacha Hartman et Isabelle Adjani. Alors bon, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier, mais je pense que ça pue un peu plus que le monoeil. Non, parce que c'est un malentendu. Elle l'accueille avec toute la méfiance nécessaire. Elle le calcule. Il va se montrer plutôt agréable avec Arlette. Mais bon, Arlette ne fait pas de courbettes. Arlette ne fait pas elle ne raconte pas d'histoire. Voilà. C'est un personnage qui ment pas, qui manque parfois un peu de diplomatie. Donne-moi la roque. Non. Mais comment ça, non? Pourtant, c'est lui qui a sa tête sur le CV. Ah, non, mais il m'avait l'air en plein doute. Il hésitait à ouvrir une boutique bio gluten-free. Ouais. Encore un qui sait pas où il a mal. Tu veux que je te dise cette jeunesse part en cacahuète? Tout à l'heure, on a eu une folle qui n'arrêtait pas de nous gueuler dessus. Non. Elle a un chien qui s'appelle Jean Gabin. Et elle doit partir à Cannes. Donc elle ne peut pas emmener Jean Gabin à Cannes. Alors elle explique qu'elle ne peut pas emmener Jean Gabin à Cannes parce qu'il prend les robes de soirée pour des lampadaires. Elle est capable de dire aussi à quelqu'un qui essaye de lui plaire, elle lui dit « Oh, ça va, te mets pas à quatre pattes non plus. » Enfin, elle a un personnage assez direct.